Hey, salut tout le monde, c'est Itachi. On se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode du Let's Play de Monster Hunter 3 Ultimate. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va terminer normalement, j'ai envie de dire, les quêtes de niveau 4 étoiles. Il nous reste a priori 2 quêtes, à moins qu'il y en ait d'autres qui se libèrent après. Je sais pas trop. Donc on nous demandera dans un premier temps de capturer une Ratian. Et ici, on nous demandera tout simplement de chasser à Giginox. Alors bon, vous savez que j'aime pas trop les quêtes qui nous obligent à capturer les monstres. Moi, j'aime pas trop ça. Mais bon, on va faire avec. Alors, ensuite, je vais parler d'autres petites choses aussi avant. C'est que voilà, les 6 derniers épisodes, j'avoue que je les avais un peu enchaînés au niveau de l'enregistrement. Donc, j'ai pas pu trop interagir avec vous dans le même temps, forcément. Et j'ai eu un petit peu vos retours. Alors déjà, visiblement, vous avez l'air assez content de me voir sur ce jeu. Donc déjà, ça fait plaisir. Vous posez pas mal de questions, etc. Et c'est bien, parce que bon, à la limite, je suis là pour répondre à vos questions. Si vous en avez, il n'y a pas de souci. Il y en a qui viennent aussi assister à mes lives et tout. Et donc ça fait plaisir aussi. Donc n'hésitez pas, encore une fois. C'est sur ma chaîne Twitch. Le lien est dans la description. Sinon, il y avait d'autres choses aussi qu'on m'a dit, c'est genre que en gros j'avais des équipements qui n'étaient pas raccord avec le niveau des quêtes que je faisais, etc. Bon, c'est plutôt vrai, ne serait-ce qu'au niveau de l'armure. Bon, c'est vrai que, en fait, j'ai pas envie, si on peut dire, de gaspiller toutes mes potions et puis de devoir trop me concentrer sur le combat. Pour plutôt laisser place justement au fait de pouvoir commenter et puis de donner plus d'indications, d'avoir à moins me concentrer en gros sur le combat et de pouvoir donner plus d'indications. C'est ça que je voudrais faire en fait, tout simplement. Après, bon, au niveau des armes, c'est vrai que j'ai des armes un peu plus balèzes que les monstres que j'ai rencontrés jusque là. Hein. Il suffit de voir les quêtes dans lesquelles on m'a demandé de capturer des monstres. J'en ai fait une notamment contre l'Arzuros. Parce que c'est vrai que, voilà, si en plus il est sensible au feu et que j'utilise une arme qui est un peu plus balèze que lui, ça va vite. Donc, à la limite, pour les armes, moi, de toute façon, les armes que j'avais utilisées, alors j'utilisais notamment les flammes sœurs, il me semble, c'est la double lame, on va revérifier ça. Ouais, flammes sœurs sont des doubles lames, en fait, faites à partir de Rathalos et de Ratian. Alors, c'est vrai que jusque-là, en fait, elles étaient un petit peu au-dessus de la force des monstres. Mais là, ça va rattraper. Hein. Déjà, on rencontre la Ratian. À mon avis, au prochain rang, on va. Enfin, au rang. Enfin, dans les quêtes de niveau 5 étoiles, on va rencontrer du Rathalos. Donc, on va dire que voilà, cette lame-là, elle va être à corps avec le niveau. Au niveau des épées boucliers, bon, c'est vrai que j'ai des armes un petit peu avancées, si ce n'est l'épée Lagia, par exemple, qui est une épée de foudre et qui est parfaitement faisable actuellement, puisqu'on peut affronter du Lagia Crus. Et puis, en ce qui concerne les marteaux, alors bon, c'est vrai que moi, de mon côté, j'ai amélioré mes marteaux, donc ça sert plus à rien que je les utilise. Et du coup, pour la peine, j'ai fait ce marteau-là, le marteau Paralysie. Je sais même plus comment il s'appelle, on va regarder vite fait. La plume paralysante, voilà. Et je vais vous montrer avec quoi je l'ai fait pour vous prouver que voilà, que j'ai pas cheaté, si je peux dire. Il n'est pas compliqué à faire d'ailleurs, il me semble. Voilà, plume paralysante. Alors on le fait avec des points de gobules, des poches paralysies qu'on obtient sur les gobules, et une lanterne gobule, et ensuite des plumes vives qu'on récupère sur les courroux pico. Donc voilà, j'ai fait ce marteau-là. Donc comme ça, on me dira pas que, en gros, je suis plus fort que l'ennemi ou quoi que ce soit, si ce n'est au niveau de l'armure, mais encore une fois, je viens de le justifier juste avant. Sinon, après, petite info lol, si on peut dire, c'est que sur les vidéos précédentes, en fait, j'avais oublié de configurer mon logiciel de capture comme il fallait, et en fait, vous avez pu voir que le curseur de la souris se baladait un petit peu, il se baladait pas partout, mais il était présent en tout cas, pendant une grande partie des quêtes, mais bon, je pense que c'était pas non plus trop gênant. Mais normalement, là, ça devrait être rentré dans l'ordre. Alors, donc, pour la Ratian, moi, ce que j'ai préparé dans mes objets, j'ai préparé des bombes flash, ça va être plutôt bien pour la faire tomber. Des bombes tranquillisantes, et un piège pour pouvoir la capturer au cas où
au cas où je me fail avec ce qu'ils vont me donner dans la quête. Ne pas oublier aussi les phytomédicaments. Enfin, les phytomédicaments ou les antidotes, hein, pour pouvoir se guérir du poison, puisque elle empoisonne. Donc allez, c'est parti. Cette fois-ci, on va l'affronter dans la forêt inondée. Et bon, à la limite, le fait d'être ici, c'est plutôt pas mal, parce que ça facilitera un petit peu le fait de pouvoir la trouver. Puisque en gros il y a pas mal d'endroits où elle va pas pouvoir aller, hein, ne serait-ce que les endroits qui sont émergés, comme la zone 3, la zone 5, la zone 6, la zone 8, elle pourra pas y aller non plus. Alors là je pense que dans un premier temps on peut la trouver en zone 2. Enfin en tout cas dans les quêtes multijoueurs généralement on la trouve en zone 2. Après je risque de me tromper encore. Non bah c'est bon, elle est là. Bon alors, cette fois-ci, en tout cas pour cette quête, j'ai choisi le marteau. Hein. Vous vous souvenez peut-être, la dernière fois, j'avais choisi l'épée bouclier. Mais là, j'ai choisi le marteau parce que la Ratian, c'est le genre d'ennemi, en fait, qui nous donne envie d'utiliser le marteau, franchement. Parce que vous allez voir que je vais lui en mettre plein la gueule. J'avais déjà dit, donné quelques informations la dernière fois, vous disant que en gros, sa partie la plus sensible, c'était justement la tête. Alors... Elle est, sa tête est quand même plus sensible aux armes tranchantes. Néanmoins, elle est tout de même déjà relativement sensible à tout ce qui est marteau. Alors là, ça risque d'être un petit peu plus long, hein, parce que bon, forcément, j'ai une arme qui est au haut niveau, donc enfin, qui est au niveau de la quête, je veux dire, hein, pas qui est de haut niveau, mais qui est au niveau de la quête. Néanmoins, si j'utilise bien mon marteau. Hop, voilà, j'ai réussi à la sonner direct. Et à lui péter sa tronche aussi. Alors c'est vraiment le genre d'ennemi qu'on aime bien faire au marteau, parce que franchement, elle a sa tête qui nous dit tout est moisant plein la gueule, tout simplement. Ce genre d'ennemi comme ça, comme le Barrios, etc. Qui ont, vous savez, la tête assez en avant en fait. Eh bien, on aime bien leur en foutre plein la gueule. Ça fait plaisir. Hop, voilà. Elle fait ça. Et là, je flash avant qu'elle tombe. Ah bah non. D'accord. Bon, elle était déjà en train de retomber. Donc, malheureusement, j'ai pas réussi à la faire tomber. Hop. Alors c'est vraiment du timing, hein, l'utilisation du marteau contre un monstre comme ça. Vous voyez, c'est vraiment connaître les mouvements de l'ennemi et puis pouvoir s'adapter. Alors là, on voit ses boules et là, hop. Vous avez vu, depuis tout à l'heure, je tape vraiment quasiment que sa tête. Hop. Je fais pas de combo, hein, vraiment juste envoyer juste un coup. Vous voyez, elle est déjà fatiguée en plus. J'ai la refoule KO une deuxième fois. Hop. Bon là, je peux lui envoyer un combo vu qu'elle est au sol. J'espère néanmoins que je vais pas me fail, parce que là, je vais en foutre quand même plein la gueule. Ah merde. Voilà, je me suis un peu loupé, ça arrive. Bon bah je me fais un petit peu défonce. D'accord, bah elle est vite partie. C'est peut-être parce qu'elle est fatiguée. Hop, encore dans la tête. Alors vous voyez, de toute façon, quand on envoie un coup dans la tête avec une arme à impact, en fait ça fait des espèces de flash jaune. Hop, alors là faut faire attention, faut pas trop se mettre devant sa tête quand même. Même si quand elle est fatiguée, elle envoie pas de boule de feu, si on se prend l'espèce de fumée rouge là, enfin de petite flamme qu'il y a devant sa tête, eh bien on se fait toucher quand même. Il faut faire attention. Elle est vraiment très calme, hein. C'est une gentille fille, j'ai envie de dire.
Hop. Alors j'ai pas encore réussi à la paralyser, hein. Je rappelle que... Ah voilà, d'accord. Bon bah c'est nickel. Bon bah vous voyez, ça aurait été vite, pourtant, bah voilà, j'ai pas cheaté, hein. J'ai vraiment un marteau... un marteau du niveau de la quête, hein, donc... Alors je sais pas où est-ce qu'elle va aller. Elle va là-bas, elle va en zone 1. Donc bah voilà, après je dis pas que je suis overskillé ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que quand on utilise bien une arme, et qu'en plus de ça elle a une sensibilité à l'arme en question, eh bien bah voilà, ça peut être très facile de tuer les monstres. Là vous avez vu, j'ai mis à peine plus de 5 minutes pour la flinguer. Je vous cache pas que moi-même j'avais un peu peur que ça dure 10, 15, 20 minutes, mais voilà, ça a duré 5 minutes. Donc ça a été très facile. Je lui ai envoyé tout dans la gueule, c'est son point le plus sensible. Voilà. Donc quand on utilise bien une arme, même si c'est une arme de merde, eh ben, on est capable de faire ça. Donc bah voilà, bah, c'est fait pour la Radiane. Franchement, je m'attendais vraiment pas à ce que ça aille aussi vite. Donc hop, on récupère les items. J'ai l'impression que j'ai eu que de la merde, si ce n'est la moelle qui est un petit peu rare. Ouais, sinon après, non, j'ai pas eu de plaques. On peut récupérer des plaques Ratian. Et j'ai rien eu de ça. Hop. Allez, on ramasse tout. Hop. Explosif, artillerie. Bon, ça, je m'en fous. Allez, on vend tout. Et donc bah maintenant on va déjà pouvoir s'attaquer au Giginox. Et bon, par contre là je vais utiliser les, comment dire, les doubles lames de feu, puisque c'est notamment la plus forte sensibilité du Giginox. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Hop. Et donc bah voilà, comme je vous ai dit, hein, ces lames là, je pense qu'on peut les faire à partir de, on va dire, du niveau 5 étoiles. Donc bon, C'est un petit peu plus loin par rapport à où je suis, bien évidemment, mais bon voilà, c'est pas non plus la mort. Je parie d'ailleurs qu'on peut peut-être se faire des doubles lames de feu assez vite, peut-être avec des composants de comment s'appelle, de Kurupeko ou quelque chose comme ça, et donc bah, ça peut aller pas tout aussi vite, mais ça peut aller aussi assez vite. Allez, donc on est parti pour Venin Progressif et aller se faire le Giginox. Alors on l'avait croisé rapidement dans une quête de récolte, il me semble, où on nous demandait de récupérer des pierres sang. C'était une quête un peu galère d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il nous avait mis tout juste ce qu'il fallait. Voilà, on va récupérer tout ça. Alors il nous donne des bombes rebonds pour essayer de le toucher lorsqu'il va être au plafond. Même si ça va pas être évident. Enfin, en réalité, ça sert pas à grand chose. Moi, j'ai jamais réussi à le faire tomber, par exemple, en utilisant des bombes rebonds. Donc, je sais pas si je suis nul ou si il faut vraiment lui envoyer un gros paquet dans la gueule. Alors, sinon, une petite précision là sur les quêtes de chasse comme ça. Moi, bon, vous voyez que je prends pas le temps d'aller manger, etc. Mais bien évidemment, moi, je vous conseille quand même d'aller becquer un petit truc. Histoire notamment d'augmenter votre santé et votre vigueur. Alors comment ça fonctionne? Je vous donne des informations si jamais vous ne le saviez pas. En fait, les ingrédients qui ont une étoile vont remettre 10 points de vie, hein, donc 10 points de santé. Les ingrédients qui en ont 2 vont en remettre 20. Les ingrédients qui ont 3 étoiles, ils vont en remettre 30 points de vie. Et donc bah, il faut combiner notamment bah, des ingrédients qui ont plusieurs étoiles pour en avoir minimum 5 supplémentaires pour notamment pouvoir avoir 150 points de santé au total. Donc si on cumule 5 étoiles, on augmente notre santé de 50 points de vie. Et donc on peut atteindre le maximum de santé qui est 150. Ensuite, il y a un autre système, c'est la fraîcheur des aliments. Un aliment qui est frais va rendre 25 points de vigueur. Donc là c'est pareil, à la base on a 100 points de vigueur. Si on en récupère 25 avec un aliment qui est frais,
Et avec un deuxième aliment qui est frais, on en récupère 50. Donc voilà, en gros, si vous voulez, pour avoir notre santé et notre vigueur au maximum, qui est 150, il faut consommer de préférence, mais bon, après ça, bien évidemment, sur le début, c'est pas évident de le faire. Il faut consommer de préférence un aliment, enfin des aliments qui redonnent 5 étoiles au maximum, donc pour 50 points de santé, et deux aliments qui soient frais. Voilà, bon, j'espère que j'aurai été plutôt clair. Et donc on va pouvoir se concentrer un peu sur ce combat contre le Giginox. Alors certains disent Giginox, hein, c'est un petit peu comme le Lagiacrus. Moi personnellement je dis Giginox. Hop. Waouh! Ah purée, je me suis bien fait défonce. Alors donc sinon, j'ai jamais parlé d'ailleurs de ce monstre-là. C'est un Wyvern volant. Fait partie de la famille des Wyverns volants, de la grande famille des Wyverns volants, hein, comme le Rathalos et compagnie. Alors encore une fois, même s'ils se ressemblent pas, ils font partie de la même grande famille. Hop, ah tiens, nickel, il m'a fait tomber à ce moment-là, pour pouvoir le flinguer. Et donc, c'est un ennemi qui a comme sensibilité principale le feu. Donc c'est pour ça que j'ai pris ces doubles-là, le feu. Son point le plus sensible, c'est son ventre, en fait. Vous voyez, en dessous, il a une espèce de... Je sais pas si je peux vous montrer, là. Il y a une espèce de truc rose en dessous du ventre. Et c'est là son point sensible. Donc, bah, l'idée, c'est d'essayer d'aller l'attaquer, on va dire, bah, par en dessous. Mais bon, c'est pas évident. Et sinon, en fait, son deuxième point sensible, en fait, ça, il est variable, hein, en fait. Alors, c'est soit sa tête. Alors, sa tête, bien évidemment, c'est pas trop difficile à repérer, même si... S'il a un peu un physique symétrique. En gros, sa tête, c'est l'endroit du côté de ses pattes. Hein. Là, on voit ses pattes, elles sont à l'avant. Donc, sa tête, c'est de ce côté. Le cul, il est derrière. Alors, lorsqu'il est vert, son point le plus sensible, c'est sa tête. Donc, lorsqu'il est vert, en fait, c'est quand il n'est pas énervé. Et lorsqu'il est noir, comme ça, là, son point le plus sensible, c'est son cul. Donc, bah voilà. Alors, ah, oh bordel! Alors vous voyez qu'il fait mal quand même, mine de rien. Et son cri a une sacrée portée aussi. Alors sinon, bah, sa particularité, comme vous avez pu le voir aussi depuis le début là, c'est qu'il a capacité d'empoisonner. Et son autre capacité, c'est de chier des espèces de cocons. Donc là, le cocon qui était là, il a disparu. Il chie des espèces de cocons, il lâche des petites larves comme ça qui s'appellent des gigis. Bon, je vais essayer de me concentrer un peu sur le combat, voilà, il s'est un peu calmé. Alors là, il va pas chier un cocon, mais il va chier du poison. Il peut chier des cocons et du poison. Hop, où est-ce qu'ils sont mes antidotes, voilà. Bon, j'utilise bien évidemment les antidotes qu'on m'a fournis, hein, histoire de faire le gros crevard. Tiens, je vais essayer de lui mettre des bombes. Attendez, voilà, j'ai vu qu'il allait descendre. Alors il faut pas se mettre près de son espèce de crotte de poison là. Ah bordel. Alors ça c'est pareil, hein. Quand il dégage du poison comme ça, il faut essayer de se mettre loin. Sauf que bon, le problème avec la double lame, c'est qu'en fait, quand on est dans un combo, on s'arrête plus quoi. Alors je vais essayer d'utiliser, voilà, phytomédicament. Vous voyez, c'est quand même un peu plus sympa parce que ça remet un tout petit peu de santé, même si c'est pas grand chose. C'est toujours ça de récupérer. Hop. Voilà, là je suis dans un combo, je peux rien faire. Allez, pousse-toi. Ah, mais il arrête pas de me pousser avec ça. Voilà, là par contre il a chié un cocon. Ah, il n'arrête pas de chier, hein. Il est bien plein. Hein. Je sais pas s'il a mangé un kebab hier ou quoi. Hop. Alors, il va falloir que j'aiguise un petit coup. Allez, vas-y, envoie l'aiguisage. L'aiguisance. Tiens, ce qui serait bien aussi, ce serait de le marquer. Parce que je vois qu'il est un petit peu fatigué et il va peut-être avoir tendance à vouloir partir. Alors, ouais. J'envoie des bombes.
sais pas trop à quoi ça sert, je le cache pas. Alors cette attaque là, quand il frôle le sol comme ça en étant accroché, il faut faire gaffe parce qu'il peut nous... Il peut nous accrocher et... Vous savez, nous... Bah nous bouffer en fait, nous grignoter. Hop. J'ai dit que je voulais le marquer quoi. Putain, j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, c'est quand même assez dingue. Voilà, à la limite c'est pas trop grave parce que regardez, il va directement dans la zone comme ça. Parce que parfois en fait il passe par ce trou là. Et quand il passe par ce trou, on sait jamais s'il va aller en zone 5 ou en zone 7. Ou même en zone 2, parfois il va. Il est comme ça lui, il est voyageur. Hop, voilà, ça c'est fait. Alors aussi, bah, ce monstre en fait n'est pas sans rappeler un monstre bien connu des Monster Hunter, qui fera son retour d'ailleurs dans Monster Hunter 4. C'est le Kezu. En fait, c'était pareil, une espèce de monstre un peu, je sais pas, avec une peau un peu lisse comme ça. Et puis surtout, voilà, qui n'avait pas d'œil, qui avait juste une bouche. Enfin, lui, le Gibinox est un peu particulier, il a carrément deux bouches quoi. Pour deux fois plus de plaisir. Hop. Ah tiens, il a lâché quelque chose. Vous avez vu là, je vais péter en fait. Je vais péter les espèces de marques roses qu'il avait sur le ventre. On peut également lui péter les marques qu'il a sur les deux bouches. Ah bah tiens, il est déjà en train de boiter, c'est nickel. Bon là encore une fois, ça aurait pas été très long. Mais bon, quand on connaît encore une fois les sensibilités de l'ennemi, ça va vite. Et puis surtout, il y a des gens aussi qui m'avaient posé la question, qui m'ont dit mais j'ai l'impression que ce Monster Hunter est facile. Eh bien, j'ai envie de vous répondre oui. Il faut savoir qu'en fait, j'ai déjà dit d'ailleurs, mais Monster Hunter 3 Ultimate est en fait en réalité une adaptation du jeu qui est sorti sur 3DS. Qui était lui-même une adaptation du jeu sorti sur Wii, hein, donc tout le monde se rappelle de Monster Hunter 3 sur Wii. Mais ensuite, il a été adapté sur 3DS et du coup, ben, il a entre guillemets subi des changements pour s'adapter à l'utilisation d'une portable. C'est-à-dire que voilà, quand on est sur une console portable, on ne peut pas toujours faire des quêtes qui durent 50 minutes, etc. Donc du coup on se retrouve avec des quêtes, enfin en gros un jeu qui est plus facile pour pouvoir être parfaitement jouable sur une console portable. Malheureusement il n'a pas été, la difficulté n'a pas été augmentée sur cette version Wii U. Donc c'est vrai que ça va vite, même dans les quêtes en ligne je peux vous dire que parfois quand on est à 4, on finit des quêtes en 5 minutes et puis ben, au final c'est vrai que c'est pas hyper fun, malheureusement. Mais voilà, c'est comme ça. Donc là, bah, vous voyez, c'est pour ça aussi, hein, quand on me disait que j'avais des armes qui étaient trop puissantes, etc., c'est même pas forcément une question d'armes. Hein. Vous avez pu le voir avec la Ratian juste avant. Quand on connaît déjà Monster Hunter et qu'on connaît les... Quand on connaît les monstres, etc., et ben oui, ça peut aller un peu vite. Ah tiens, je vais... Je l'ai envoyé dans la tronche, il a pas aimé. Ok. Encore une fois, avec la double lame, on envoie des combos à rallonge. J'aimerais bien lui péter sa tronche, en fait. Alors, cette attaque-là, ouais, elle est quasiment inesquivable. C'est un truc de fou. Vraiment, sa bouche, elle fait toute la largeur de la map. Et il faut littéralement être derrière pour l'esquiver. Alors, sachant qu'il peut aussi l'envoyer avec son cul. Hein. Voilà, bon bah... Vous voyez, on n'a même pas le temps d'anticiper en fait son attaque. Bon, il est quasi mort, mais il veut pas mourir. T'es mort, mais t'es pas mort. Bon, j'ai consommé quand même un breuvage chaud, hein, je vais pas faire mon gros crevard. Ah bah tiens, il lui manquait qu'un coup. Donc voilà pour ce Giginox. Alors il a aussi des objets assez intéressants à récupérer, c'est les extraits pâles qu'on peut utiliser ensuite pour faire des méga drogues, enfin à l'époque ça s'appelait des méga drogues du démon et des méga peaux armure. Maintenant je sais même plus comment ça s'appelle, enfin c'est
C'est les potions du diable ou quelque chose comme ça là. Je sais même plus. Je les ai pas encore utilisées pour l'instant en fait d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'encore une fois, le jeu est tellement facile que c'est vrai que ça nécessite même pas d'utiliser des potions pour augmenter son attaque et éventuellement sa défense. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a quand même des ennemis qui peuvent être forts. Hein, vous voyez, bon là j'ai perdu la moitié de ma vie quand même. Bon, même si finalement j'ai pas beaucoup utilisé mes premiers soins, mais bon. Sur un monstre comme ça, ça peut être assez difficile vu qu'il peut nous empoisonner. La vie peut descendre très très vite. Donc, être vigilant. Alors, on va envoyer ça vers la boîte. J'ai même pas vu d'extrait pâle. Hein. Sinon, pour vous dire, ça ressemble à une espèce de bouteille blanche. Vous savez, une espèce de pot. Comme une potion, mais blanc. Voilà. Ah, donc bon, en tout cas, c'est fait pour ça. Du coup, il me reste largement, j'ai envie de dire, il me reste largement le temps d'aller faire la quête urgente du lac Jacrus. Alors, attendez, je vérifie rapidement. Ouais, voilà, c'est ça. Ici, c'est coché. Et comme la coche, elle est jaune, ça veut dire vraiment que toutes les quêtes ont été faites. Donc il y a quête urgente et ensuite on débloquera les quêtes de niveau 5 étoiles. Alors par contre, en ce qui concerne la durée de vie du solo, elle est un peu plus conséquente que ce qu'il y avait eu dans Monster Hunter 3, il me semble, enfin d'après les informations que j'ai entendues ici et là, qu'il y aurait 10 niveaux de quête. Donc en gros là, quand je vais arriver aux 5 étoiles, je vais être a priori à la moitié. Donc, parce qu'à mon avis, tout simplement, oui, voilà, les nouveaux monstres, on va devoir les affronter dans le jeu. Et puis donc, ben, comme il y a littéralement deux fois plus de monstres, enfin, voire même deux, trois fois plus de monstres que dans Monster Hunter 3, et ben forcément, il faut rajouter des quêtes pour les affronter. Je vais y aller au double lame. J'ai pas trop l'habitude sous l'eau d'utiliser le double lame, mais bon, on va voir comment ça se passe. Je voulais utiliser le marteau de feu, mais bon, ce qu'il y a, c'est que de toute façon, je l'ai amélioré, donc là, ce serait clairement abusé de l'utiliser contre lui. Alors, donc, chasser un Lagiacrus, tout simplement. Donc, on avait déjà repoussé le Lagiacrus la dernière fois. Et donc, cette fois-ci, il va falloir en finir avec ce fumier. Ah, il est temps d'attaquer le monstre abominable qui tourmente le village. Blablabla. Effectivement. Bon, tiens, d'ailleurs, encore une fois, j'ai même pas pensé à manger. Mais bon, enfin, vous, chez vous, n'oubliez pas de manger. C'est quand même assez utile de... d'avoir sa santé au max. Hop. Alors, donc, normalement, je pense que cette fois-ci, on va le retrouver en zone 10 directement. Donc on va aller jeter un coup d'œil par là. Oh tiens, d'ailleurs, j'ai même pas ramené... Ouais, j'ai pas de piège avec moi, c'est un petit peu dommage. Sinon, il est sensible aussi au flash, par exemple, hein, si vous en avez. Faut pas hésiter à en ramener. Alors ce monstre-là, c'est un monstre de la famille des Léviathans. Je crois que j'en avais parlé brièvement la dernière fois. Et sa plus forte sensibilité, c'est le feu. Et son point le plus sensible, c'est son ventre, en fait. Oh, il est pas content, là. Ah, ça, c'est trop classe, là, avec les rochers qui tombent comme ça. Et lui qui est derrière. C'est vrai qu'il est classe. Par contre, oui, je crois que j'en avais déjà parlé, c'est que il a plein de parties qu'on peut casser. Hein, c'est... On peut casser ses cornes, on peut casser son espèce de carapace sur le dos, là, les pointes qu'il a sur le dos. On peut casser son ventre, on peut lui couper la queue, enfin bref. On peut faire tout un tas de choses. Pour obtenir plus, enfin, pour avoir plus de chances de dropper des objets intéressants. Ah bordel. Ah, j'ai vraiment hâte de pouvoir me faire une armure qui est... Ah bordel. Une armure qui est bouchon d'oreille, parce que franchement, c'est vraiment la merde contre tous les monstres. Hein, vraiment. D'autant plus que maintenant, il y a des monstres qui sont un peu trolls, hein, du genre, et ils crient, et en fait, leur cri s'arrête très vite.
Du coup, ils ont tendance à pouvoir nous rattaquer bien plus vite. Alors bon, j'essaierai de faire ce que je peux pour casser différentes parties, mais ça va pas être forcément évident. Hop. Alors sinon, les armes que je conseille avec lui, ouais, c'est plutôt des armes justement comme la double lame, des armes très souples d'utilisation, qui nous permettent de pouvoir bouger assez vite une fois qu'on l'a tapé. Il faut faire gaffe à ces deux crachats. Il enchaîne deux crachats généralement de foudre. Là, on les a pas vus, mais ils étaient là. Voilà. On va les voir un peu mieux. Il peut en faire soit un, soit il en fait deux. Alors, quand il part comme ça, il vaut mieux essayer de partir sur un côté. Et on part sur la gauche ou sur la droite, parce que s'il nous attaque, il va foncer, bah, comme vous avez vu là. Hop. Alors c'est faisable hein, d'essayer de lui couper la queue sous l'eau, mais c'est vraiment pas évident. Le mieux c'est bien évidemment d'être sur la terre ferme. À mon avis il va finir par aller sur la terre ferme juste après. Enfin je pense. Hein. Alors faut pas hésiter à souvent esquiver parce que vous voyez en fait il fait des attaques comme ça où il se tourne. Et la portée est assez abusée. Et c'est pareil, à chaque fois qu'il se tourne comme ça, il donne un petit coup de patte, vous voyez. Son petit coup de patte et du coup, ben, ça peut, par exemple, si on utilise le marteau, ça peut arrêter notre attaque chargée, par exemple. Et puis tout simplement, ben, ça nous fait des dégâts petit à petit, hein, si on se prend toutes ces petites coups de patte comme ça. Moi, je conseille de ne pas avoir peur et de ne pas hésiter à attaquer directement, le ventre, si on a une arme comme ça. Par exemple, épée, bouclier, etc. C'est comme ça qu'on va lui faire un max de dégâts. Donc il faut pas hésiter. Vous voyez, moi j'essaie vraiment de viser toujours à cet endroit-là. Alors faut faire gaffe à ce coup de queue là, parce que en fait il nous. Enfin, il nous mouille, hein, comme je dis d'habitude. Donc c'est-à-dire qu'en gros il va. Alors je sais plus si ça fait en sorte que notre vigueur ait du mal à remonter ou si ça fait en sorte que notre vigueur. Descendre très vite. Je me rappelle plus trop. Peut-être que je me ferai toucher après. Et sinon, bah, dans ce cas-là, il faut ramener des... Comment ça s'appelle ? Des baies de soins, par exemple. Pour pouvoir se guérir tranquillou. Hop ! Bon, vous voyez, ça se passe plutôt pas mal pour moi pour l'instant. Encore une fois, ne pas hésiter à... À attaquer un tout petit peu, enfin ce genre d'arme là comme la double lame ou et surtout l'épée bouclier, c'est vraiment des armes avec lesquelles il faut attaquer un petit peu et puis esquiver direct. Il faut certainement pas faire des combos trop longs. Il faut le faire quand l'ennemi par exemple est immobile, mais pas quand il est bien éveillé. Voilà, donc là il est énervé, il est pas content. Ouais. Alors là il donne un double coup de flanc, moi j'appelle ça un coup de cul. Vous voyez, hop, quand on en veut un peu trop enchaîner, hop, voilà. Juste donner quelques coups et partir directement, faire une esquive. Alors, par contre je déteste me battre dans cette zone parce que on a tendance à être très souvent proche de... du niveau de l'eau quoi, et en fait quand on est au dessus ben on voit rien quoi, tout est bleu. Tiens je vais consommer, non j'ai pas un premier soin, si j'ai un premier soin. Bon allez, va changer de zone, il repart en 11. C'est déjà un combat qui dure un petit peu plus longtemps hein, quand même, et j'ai envie de dire bon c'est pas un mal. Sinon moi j'aime bien le faire au marteau ce monstre là. Et c'est très efficace, notamment, bien évidemment, pour lui péter ses cornes. Alors, ce que je peux faire aussi, ce serait le marquer. Hein, comme d'habitude, j'oublie. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'à force de... Je sais pas, de savoir où sont les monstres à chaque fois, etc. On a tendance à ne même plus se faire chier à marquer les monstres. Et du coup, c'est pour ça que...
Ah merde! Ah! Ah, il a fait une double course et du coup, j'ai balancé mon truc dans le vide. Bon, là, j'aurais pu sauter, sauf que j'ai eu un peu la flemme. Vous voyez, dès qu'on veut en avoir un peu trop, donc c'est vraiment attaquer une ou deux fois. Ce genre d'attaque, d'ailleurs, ça peut nous sonner. Ok, j'ai sauté dans sa bouche. Ne faites pas ça chez vous. Hop, restez assez loin quand il fait cette attaque en tourbillon, là. Alors, ce qui est marrant, c'est que pour l'instant, il n'a pas encore utilisé ses attaques électriques. Enfin, mis à part le crachat. Hop. Vous voyez, hop, j'envoie un coup, je me casse. Faut pas rester trop longtemps avec lui. Alors vous allez me dire, ouais, mais attends, si on s'amuse à faire ça pendant toute la quête, on finira jamais par le tuer. Mais c'est au moins un moyen sûr de pouvoir le battre, hein, parce que le but c'est de le tuer lui. Et c'est de nous de ne pas crever. Allez vite. Voilà, faut faire attention à ça. Ça c'est quand il charge. On voit que ses pics sur le dos sont. Ils sont bleu ciel là. Donc quand ils sont comme ça, il faut faire gaffe parce qu'il va un peu spammer les attaques électriques. Hop. Hop, alors. Là il y avait la place de le faire. Ah là, j'ai réussi à lui péter son ventre. Hop, je spam un peu. Et là, il se casse. Il est pas content. Là, je vais péter son belly. Espérons qu'il aille sur la terre ferme. Il y a des chances qu'il aille sur la terre ferme directement. Alors là, pour l'instant, je suis en train de le suivre à la trace sur, sur la map. Il a pas l'air d'aller... Oh si, il a l'air d'y aller. Il y va ou il y va pas? Je sais pas. Gris, je suis pas content. Allez, va sur la terre ferme que je te coupe la queue. Hein. Voilà, bon, s'il s'est retourné, il y a des chances que qu'il aille sur la terre. Voilà. C'est un gentil garçon. Donc, bah, je vais essayer de lui couper la queue. Normalement, même si on s'est pas concentré sur la queue dans l'eau, ça passe, j'ai envie de dire, largement. Il y a carrément moyen de lui couper la queue, normalement. Faire gaffe à cette attaque, elle a une portée assez abusée aussi. Hop, alors là, déjà, il est pas content. Ça peut se comprendre. Aïe, 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 non. Bon, là, j'ai envoyé un combo involontaire, voilà. Bon, alors, surtout quand il vient généralement sur la terre... C'est qu'il est fatigué, en fait. Hein, vous avez vu qu'il est en train de saliver, etc. Donc il est fatigué. Il faut vraiment en profiter. Ah. Faut vraiment en profiter. Parce qu'il va être immobile pendant un long moment. Comme vous avez pu le voir, là, j'ai pu lui couper la queue assez facilement. Hop. Et là par contre bah, vous faites pas chier, j'ai envie de dire, attaquez vraiment partout où vous pouvez. Et même bah, sur le ventre, hein, vous pouvez. Hein. De toute façon, généralement, quand il reste assez immobile, on peut aussi attaquer le ventre. Par contre là, bah, il est déjà revénère. Bon, faut dire, je l'ai un peu coupé la queue il y a 2 secondes. Hop. Hop. Ah, je l'ai fait tomber, nickel. Bon là, c'est un... C'est le moment justement de lui attaquer ses pics sur le dos. Mais ils sont pas faciles à péter. Hein. C'est vraiment, j'ai très très rarement réussi à péter ses pics sur le dos. Je crois que c'est pas l'endroit où il faut s'obstiner justement. Ah merde. Ah ouais, quand il fait cette attaque là, il faut plutôt aller sur le côté gauche. Parce qu'il commence par donner un coup sur la droite. Et on a plus de chances de s'en échapper. Et moi j'ai fait le con parce que je me suis pas assez reculé et puis je me suis pas allé suffisamment sur la gauche. Hop.
pas hésiter à rester loin quand il fait ça, hein, franchement. C'est vrai que c'est une attaque assez chiante et très difficile à esquiver si on est très très près de lui. Parce qu'il peut nous toucher vraiment avec tout. Hein. S'il nous touche avec, avec sa tête, ça fait des dégâts. Puis bon, là, j'ai envie de dire encore heureux. La queue est coupée. Tiens, je vais aiguiser. Bon, ça, c'est à ne pas faire quand on n'a pas une armure avec suffisamment de défense. Et bon, là, c'était histoire d'être tranquille. C'est vrai que moi, je prends des risques hein, dans mes combats. Faut pas prendre autant de risques, faut essayer plutôt d'écouter ce que je dis, comme je dis d'habitude, faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est un petit peu ça. Hop, voilà. On reste bien loin. Parce qu'en plus, quand on se fait toucher par cette attaque-là, on a tendance à vraiment tomber, enfin partir assez loin. Hop. Voilà, bon, c'était sûr là que il allait finir par le prendre assez mal, j'ai envie de dire. Et là, il va être vénère, je crois. Ah non, même pas. J'ai cru qu'il allait crier, en fait, et il est parti. Bon, il lui reste pas, beaucoup de temps à vivre maintenant. On entend même, on entend même gueuler là dans la flotte. Oh, pauvre l'Ajacrus. Je suis navré. En tout cas, je peux comprendre franchement que cette quête soit difficile quand on n'a pas beaucoup de stuff. Parce que c'est vrai que déjà, bon, il n'est pas forcément évident à appréhender, donc on prend pas mal de coups. Et en plus de ça... Ah tiens, il est parti manger. Et en plus de ça... si on n'a pas les armes qui lui font des dégâts élémentaires, eh bien on a tendance à mettre du temps. Alors là, il était en train de manger un truc, généralement, ça n'a pas l'air d'être le cas cette fois-ci, mais en fait, il peut lâcher un objet, en fait. Vous savez, un petit objet qui brille. J'étais en train de regarder, c'est pour ça que je me suis fait toucher par cette attaque bidon. Oula. Je vais péter ses cornes, non. Non, ça a juste pété, je sais pas pourquoi. Ouh. Calme-toi, mon ami. Mon ami. J'essaie toujours de lui péter ses... Ouh. De lui péter ses pics sur le dos, là, mais c'est vraiment pas facile. Oh, il était à deux doigts d'envoyer une attaque électrique et je l'ai flingué. Voilà, bon, c'est fait pour ce monstre-là. En tout cas, voilà, deux trois petites astuces pour pouvoir le faire un peu plus facilement. J'ai distillé au cours de ce combat, même si je me suis fait toucher parfois, mais bon. Après, de toute façon, c'est pas non plus un jeu dans lequel on doit absolument pas se faire toucher. Mais être bien préparé parce que je pense que c'est un combat un peu difficile. Là, on a mis une dizaine de minutes quand même. L'arme est efficace, mais voilà, j'ai envie de dire sans plus. Hein, c'est pas une arme de très 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 haut niveau. C'est une arme de niveau 5. Donc c'est juste au-dessus de lui. Et par exemple, pour ce niveau-là, je pense qu'une arme, vous savez, l'épée bouclier de Kurupeko, là, le Tomahawk, je pense que ça peut être une arme assez efficace contre lui. Ou sinon, le marteau, justement, de Kurupeko aussi. Donc, c'est deux armes qui peuvent être efficaces pour se débarrasser de ce monstre. Entre guillemets, sans trop de difficultés. Donc, bah voilà, au final, je ne m'attendais pas à faire trois quêtes dans cette vidéo. Sinon, pour parler de ces objets. L'objet le plus rare, c'est la plaque l'Ajacrus. Sinon, on peut avoir des cornes, mais bon, bien évidemment, à condition de l'avoir, de lui avoir cassé les cornes, ou sinon d'avoir capturé le monstre, par exemple. Et sinon, après, il y a les électriques carapaces. Bon, ça, c'est pas rare, hein, les écailles et électriques carapaces. C'est monnaie courante, comme on dit. Alors, on va peut-être avoir des petites scènes, maintenant.
Voilà, c'est bien ce que je me disais. Et ça tremble encore. Parce que bon, c'est vrai que j'en ai pas parlé au début, hein, pour ceux peut-être qui connaissent pas l'histoire de Monster Hunter 3. En fait, on arrive dans un village dans lequel justement il y a des tremblements de terre. Et en fait, les villageois pensaient que c'était un Lagiacrus qui justement foutait la merde. Alors que là, comme vous pouvez le constater, malgré qu'on ait tué le Lagiacrus, eh bien, il y a toujours des tremblements de terre. Donc, on va parler aux différents protagonistes du village qui vont lui dire ça tremble encore, dites donc, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors voilà. Alors ce que j'étais en train de raconter avec mes histoires de bouffe là, pour vous donner un exemple, pour avoir vraiment tout au max, voilà, tête de dragon par exemple, qui a 3 étoiles et qui est frais. Et ensuite, par exemple, on consomme un pain de paradis qui a 2 étoiles et qui est frais. Donc le fait que les deux aliments soient frais, ça va permettre d'avoir 50 points de vigueur en plus. Et le fait de consommer des aliments qui au total donnent 5 étoiles, ça donne 50 points de vie en plus. Et après, bon, on choisit la cuisson. Alors la cuisson sert juste à activer les différents talents qui sont là. Alors, je vais pas vous dire. Je vais pas vous donner des détails sur les talents. Hein, pour le savoir, il faut tout simplement le bouffer. Et ensuite, vous allez voir dans votre statut. Hop, voilà. C'était copieux. Et donc voilà, vie augmentée. Stamina et attaque, et puis apparemment les deux talents ont été activés. Et pour voir les talents félines qu'on a débloqués, voilà, c'est ça. Donc invincible féline plus, donc ça augmente la, ça prolonge la durée d'invincibilité lorsque on se relève. Et là, ninja, la stamina diminue moins en cas d'évasion, de blocage, etc., etc. Donc voilà. Donc on a nos petites informations sur les talents félines là-dedans. Alors à qui je dois pas. Oh là là, je dois parler au village entier, quoi. On va parler à tout le monde. Alors là, il y a peut-être des nouveaux équipements qu'elle nous a mis à disposition. Je sais même pas. Je sais pas. Je sais pas, et à la limite, moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Ah, tiens, on va parler au fils. Hey! Bon, c'est beaucoup de blabla, hein. Moi, j'aime pas trop écouter tout leur blabla. C'est pour ça que je le passe vite. J'espère que vous m'en voudrez pas. Alors, demande du village. Et si on améliorait la boîte à insectes? Oh, mais oui! Que ce serait bien, mais seulement si on a des pros des insectes. Alors, pros des insectes, je sais qu'on peut en échanger à Sarkozy, mais est-ce que je vais pouvoir le faire? Je vais voir, hein. Non, c'est là-dedans, je pense. Ah, pros des insectes, il y en a là. Il m'en faut 4. On va voir si j'ai de quoi, mais je suis même pas sûr, franchement. Hop, je vais essayer, hein, mais je suis même pas sûr de. Oh, si ça passe. Dites-moi que ça passe. Voilà, bon, j'en ai même mis un petit peu plus, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, les pros des insectes, c'est à choper ici. En échange, j'en ai chopé 4. On va le faire ça immédiatement, comme ça, on sera tranquille. À condition que j'ai les points. Ouais, j'ai les points. J'ai encore 2300 points de ressources. Bah voilà, on améliore la boîte à insectes, et maintenant elle va être au max. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est la vérité. Alors là, c'est pareil dans les objets. Elle nous vend probablement de nouvelles choses. Et puis en plus, elle fait des ristournes. Faut toujours profiter, hein. Quand elle fait des ristournes, c'est plutôt intéressant. Oh là là, oh, les enduits à ce prix-là. Oh là, je peux pas résister. Franchement, là, je suis comme... comme si j'étais au solde. J'achète des enduits, parce que les enduits, en fait, mine de rien, comme on en achète un gros paquet, il faut pas hésiter à justement à profiter des soldes comme ça. Ça coûte 2 fois moins cher. Hop, voilà. Bon, j'en ai une 500aine. De chaque, ça devrait suffire. Bon, de toute façon, pour l'instant, j'ai même pas de quoi... j'ai même pas de quoi me faire des... Me faire des arcs, etc. C'est un petit peu la galère, mais bon. Alors, je vais aller parler. Voilà, je vais aller au village. Pas au village, à la ferme, pardon. Apparemment, le Gugus, il veut me parler. Puis bon, en plus de ça, on va voir notre boîte à insectes qui est au max. Voilà. En fait, c'est les petites boîtes qui sont tout en haut, là, qui ont été ajoutées. Ah, d'accord, ça n'a pas l'air d'être ici qu'on veut nous parler. Ça n'a pas l'air d'être ici. Ah, oh, bordel, tu me trolles, toi, espèce de petit cochon, là.
Ah, ingrédients légumes. Il m'a donné des ingrédients légumes. D'accord, c'est tout ce qu'il y avait. Je croyais qu'en fait c'était sous la cascade là qu'il y avait quelque chose. Après, apparemment, il y a quelqu'un qui veut me parler. C'est dans ma maison, je pense. Vous avez vu que Chacha n'est plus là. Je sais pas s'il fout d'ailleurs. Bon, les meubles, etc. Ça m'intéresse pas trop. Et on va jeter un œil. Aux quêtes qu'on va devoir faire hein, pour le niveau 5. Alors ça commencera par une petite visite du volcan, toute bête. Le roi des mers capturé à la Jacruse. Ah bordel. Livrer deux pierres poudres. Alors les pierres poudres, ouais. Les pierres poudres, bon ça devrait aller. Ça devrait aller. Mais par contre, ouais, capturer à la Jacruse, ça fait chier quoi. Ça fait chier, mais c'est comme ça. Bah, de toute façon, ouais, il faudra le faire. En plus, c'est dans la forêt inondée. Oh là là! The fuck! C'est l'endroit que je déteste le moins pour les combats sous-marins. C'est vrai, c'est assez dégueulasse. Ouais, puis en plus, de toute façon, tant que j'aurai pas capturé, à mon avis, je débloquerai pas plus de quêtes. Enfin, je sais pas. Je pense que pour la prochaine vidéo, d'une part, bon, je ferai la visite. Et je commencerai par hyperthermie. Et ensuite, on terminera par la capture du lac Jacruse. Ce sera mieux comme ça, je pense. Parce que je me vois pas me lancer directement dans la capture. Enfin, bref. Bon, donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo, qui aura duré pas mal de temps aussi. Et puis, apparemment, il y a des gens qui aiment ça. Alors, moi, j'aime pas trop faire des vidéos qui sont trop longues. Après, bon, moi, ça me pose des problèmes pour l'upload, etc. C'est très, très long. Ça fait un peu chier, mais bon. Quoi qu'il arrive, de toute façon, je fais les quêtes, hein, je les fais comme je peux. Et puis, au final, bah voilà, il y a un épisode de complété, peu importe le temps qui dure. Ce qui compte, c'est que j'ai réussi à remplir les objectifs. Donc, bah voilà, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo, et à plus pour la suite en 5 étoiles.